Salut les Batfans, Alfred nous a choisi une histoire pour clôturer en beauté notre dossier sur Nightwing. Il s'agit d'une histoire complète de la série Nightwing New 52 que tu trouveras à la fin du tome 2. Nightwing revient sur ses débuts en tant que Robin. Installe-toi confortablement, prépare ton Batmug et on se retrouve à l'intérieur de l'histoire. Il était une fois la nuit qui a changé ma vie. Ce soir-là, je les ai déçus. Tout a commencé par un défi qui a très mal tourné. Je pensais qu'après le spectacle, tout redeviendrait dans l'ordre. C'était l'anniversaire de ma mère. J'avais cherché longtemps le cadeau idéal, et je pense bien l'avoir touché. Encore aujourd'hui, le souvenir de cet instant reste absolument intact. Même si tout ce qui a suivi n'est qu'un amas de fragments. D'images décousues, mais reliées et figées dans le temps. Mais l'instant où tout a vraiment changé n'est arrivé qu'un peu plus tard. Lorsque je l'ai rencontré, lui, Bruce Wayne. Touché par mon histoire, il a tout entrepris pour me recueillir. Je donnais l'image d'aller mieux, de m'adapter. En fait, j'étais en rage. Je voulais retrouver Zuko, l'assassin de mes parents. La quatrième nuit, j'ai trouvé tout autre chose. Ce n'était peut-être que l'adrénaline, je n'en suis pas certain. Mais je préfère me dire que j'ai sauté de ce toit pour une toute autre raison. Parce que je le devais. Je savais que je pouvais l'aider. La suite fut encore plus surprenante. Je l'avais reconnu. Ma traque de Zuko me menait dans des endroits où je n'aurais jamais dû aller. Mais chaque nuit, il était là. Il ne m'a jamais dit d'arrêter. Il devait savoir que je n'aurais pas pu. Je savais qu'Alfred n'approuvait pas la décision de Bruce. J'étais intégré à la mission, mais je devais rester à l'écart. C'était leur compromis. Avant que tout ne change à nouveau. Une nuit, il avait besoin d'aide. Il avait besoin de moi. Il lui fallait Robin. Je savais que Robin ne serait jamais définitif. Et c'était une bonne chose après tout. Tout finit par changer.